Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, encore une fois, un évangile excessivement court. Je prends le temps de le lire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, ce que j'aime beaucoup de ce texte-là, c'est que si on devient disciple du Christ, on essaie de le suivre. Alors, nous tenterons, nous aussi, d'être doux et humbles de cœur. Cela dit, qu'est-ce qui fait que le fardeau devient léger? Je crois que c'est justement cette douceur et cette humilité. On est dans une société de compétition, il ne faut pas se le cacher. Et cela amène parfois un peu de cruauté, un peu de méchanceté les uns envers les autres. Et cette méchanceté, on veut s'en protéger. Alors on porte des masques. On se protège derrière des titres, derrière des fonctions, derrière des procédures, derrière beaucoup de masques. La douceur et l'humilité nous permettent d'être nous-mêmes, de nous révéler à la fois dans nos fragilités que dans nos petitesses. L'humilité nous permet de ne pas porter des rôles. Et tout cela, c'est léger. Alors oui, prenez le joug du Christ. Il est léger, il est facile à porter. Alors, poursuivons jusqu'à l'heure. Au plaisir.